من ذا الذي ما فاقت ومن له الحسنى فقد محمد الهادي الذي عليه جبر الهبت محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياخوذ بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياخوذ بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياخوذ بين الحجر الا وصلي وسلم على سيدنا محمد بحر انواركه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Nous avons remercié à notre Seigneur de nous avoir grâce et nous remercions de toute la salade de la fondation d'Allah avec la salade. Nous sommes aujourd'hui le 12e jour du mois de Ramadan de l'an 2021. Nous allons continuer avec le commentaire de la vie de chaque Ahmadiyyah que nous avons commencé depuis le début de ce mois sacré de Ramadan. Nous avons demandé à cet arabe de vivre la même manière qu'arabe qui s'en est venu à faire une commission. Aujourd'hui, nous allons commencer le Seigneur de Ramadan, nous sommes au bord de la Seigneur de Mohamed, à la Hadi, 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 et ici, on va pouvoir visiter le moment de celui qui a reçu la lettre. On dit une lettre, un émir. Mais la première richesse, c'est la vie de Mawla Suleiman, qui est en réalité ce émir-là qui a reçu Shahman Tijani quand il est arrivé au Maroc la première fois. C'est vrai qu'il venait au Maroc plusieurs fois, mais quand il a eu l'intention de s'installer là-bas, il a écrit à Mawla Suleiman demandant la permission de l'église s'installer là-bas. Et ce dernier a accepté la lettre, il a dit qu'il a écrit son imam chérif. Et voilà son nom de cet imam chérif. Et quand il veut qu'il a fait la chérif, il se voit à son frère chérif. Et comme vous savez, à cette époque-là, c'était le Turc qui dominait cette partie d'Afrique-là. Mais il ne dominait pas le Nord. La Jérémie, nous avons su d'une nation turque. Et ces Turcs-là avaient un peuple Shahman Tijani. Ils l'ont même accusé d'être quelqu'un qui transformait l'argent. Tout ça, quand on regarde, ce sont les paroles de quelqu'un qui traquait Shahman Tijani. Ils ont tout dit de lui. Et si ce qu'ils avaient dit de lui était vrai, nous sommes aujourd'hui dans la situation de là. Nous ne l'aurons plus au moins. À travers cette dimension-là. Mais bref, les gens vont beau parler de toi, ils vont coller des mensonges dans ta vie. Quand tu vas savoir qui tu es, si ce que les gens disent de toi est vrai, tu le prends aussi simplement que possible. Si ce n'est pas vrai, tu mènes ta voix. C'est un peu le cas, passé. Alors, chaque avant, si j'avais quand il est venu sur une notion du roi. Quand tu viens comme ça, l'autre est là, qui en a tiré, qui en a du roi. Il y a de fortes chances que tu n'aies pas de problème avec le roi de la place. Parce que le souverain, le roi, ils n'ont même plus une personne qui est confiée, qui a beaucoup de monde autour de lui. Vous savez, ils ont peur de ça par rapport à beaucoup de choses. Le pouvoir là, c'est le pouvoir de lui. Et le pouvoir a toujours appartenu à lui. Quel que soit l'argent que tu as, si le Dieu dit qu'il ne veut pas de toi, tu tombes. Le Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est tout cela qui se construit de toi. Quand un homme a beaucoup de monde autour de lui, si vous le rappelez bien, vous pouvez commencer à le faire. Parce que 10 personnes seulement peuvent faire combien de fois 10 personnes seulement. À nouveau, elles ont 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, 50000 personnes. Non seulement ça constitue un pouvoir économique, mais aussi c'est un pouvoir politique. Et c'est une de ta force. Alors, à ce moment-là, le rapport de force commence entre toi et le souverain. Alors, bref, Shahman Tijani, quand il a vécu là-bas, il n'y a pas seulement la partie de lui pour le déprimer à côté du roi Mawla Suleiman. Mawla Suleiman, parmi les rois qui ont gouverné le Maroc, il était celui là que les gens disent que lui, il était tellement bon qu'il était même plus bon pour diriger les êtres humains. Il devait être roi sous les anges. Comme si on allait rendre visite à sa tombe qui est aujourd'hui à Marrakech, quand tu poses un peu avec les gens, c'est ce qu'ils disent de lui. Et à la fin de sa vie, il s'est même retiré même du pouvoir pour se consacrer à Dieu. Vous voyez aujourd'hui même les amis du monde, le président,
pour aller à la mosquée, finir ma vie là-bas. C'est un peu difficile aujourd'hui. Alors, donc, bon, c'était pas n'importe qui, c'était un homme véritable de Dieu. Mais chaque chrétien dans cette lettre-là, il nous montre comment on doit se comporter avec le souverain, avec le roi, avec le président, avec le gouverneur, tout cela qui détient une partie du pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut se comporter avec lui? Vous avez vu, c'est une longue lettre. Mais avant d'en arriver même au sujet, il a commencé à le glorifier. Tout souverain aime ça. Pourquoi le prendre souverain et tu l'as sans glorification, sans montrer sa place et introduire une doléance? Si tu le fais automatiquement à 99% de chance, le roi va être arrivé, tu vois. Parce que quand Dieu élève une personne à ce niveau-là, et ce n'est pas seulement les rois, même les chefs, un homme qui a un certain niveau dans la société, quand tu as besoin de lui, alors il faut montrer d'abord sa place. J'avais terminé après qu'il ait rendu grâce à l'ascension orale, après qu'il ait fait l'ascension profonde, parce que ça, ce sont des positions similaires. Il y a beaucoup de personnes, quand elles se trouvent en face d'un roi, oublient qu'il y a Dieu au-dessus du roi, qu'il y a Dieu au-dessus de lui. On nous explique qu'il soit le parrain de chez le roi, il nous par nous, quand il allait pour la fondation de la ligue de l'islamique, quand on a invité tous les musulmans qui étaient là, quand ils ont vu le roi Abdelaziz de l'Arabie Saoudite, automatiquement ils ont oublié de payer Dieu. Tout le monde a commencé à jeter les oeufs à la droite du roi. Le roi qui est ici, le roi qui est celui-là. Mais quand le roi qui s'appelle la parole, il a commencé par Dieu, il a commencé par son messager. Il veut aller sur une panne du panique. Maintenant, je vais parler du roi. Et quand il a dit ça, les Égyptiens qui avaient parlé avant de dire Aya, les hommes du Liban, à poser un kéler, un djadid, est-ce que le nom du Liban est la parole d'un mot? Et quand il a pris la parole, il a dit ce que le Seigneur a dit m'oblige moi aussi de parler de Dieu au sein de sa vie. C'est comme si ils avaient oublié Dieu était la personne de Dieu. Donc, tu vas voir dans les lettres des grands hommes de Dieu, il commence toujours par Dieu et son messager. Il glorifie Dieu et il montre la place du prophète en guerre. Et Dieu, il faut voir que c'est de la sombre aussi de toi. Et puis aussi, c'est la position de l'homme de Dieu. Pourquoi l'homme de Dieu? Ce n'est pas pour venir chanter les louanges de celui qui est en face de lui. Celui-là le considère comme un homme de Dieu. Il faut qu'il puisse lui appeler Dieu à tout moment. Alors, après cela, il a qualifié le roi. De toutes les qualifications. C'est tellement long comme même quand on dit. Tout à l'heure, c'est la rue qui a dit qu'est-ce qu'il faut tout dire? Il faut tout dire. Pour qu'on puisse avoir le plaisir d'entendre ce que Chantal a écrit. Mais qu'est-ce qu'il va dire après tous ces éloges-là? Il ne s'oublie pas. Il n'oublie pas sa mission auprès des rois. Parce que les rois n'ont pas la chance d'avoir toujours le nom de Dieu qui les rappelle à la soirée. Il faut être un homme véritablement, c'est-à-dire grand homme de Dieu et avec une confiance totale en Dieu. Et il faut être une personne qui n'a aucune envie de ce que le roi possède. Si tu vas vers le roi avec des envies, c'est sûr que tu ne vas pas dire avec le roi. Parce que tu espères avoir de sa richesse. Même ton propriétaire de maison, si tu espères qu'il te laisse un bon roi cadeau, il y a certaines vérités que tu dois lui dire. Avec votre raison de roi, avec votre raison de président, de ministre. Donc, toutes ces personnes en sont là avec nous, qui sont considérées comme des souverains d'une certaine manière relative. Mais Chamatiani, il montre, de par cette lettre-là, qu'il n'a nullement besoin de quoi que ce soit. Et ce qu'il veut faire, c'est la mission que Dieu lui a assignée au même de ce roi. Et il lui dit, il lui dit, il lui fallait que vous aussi qu'il y ait une vie qui il dit, ouais, je dois vous dire ce que je veux dire comme conseil, qui est même une obligation pour moi, et que celui-là qui se doute de ça, la personne est vouée à la protection. Regarde quelqu'un qui s'adresse à un roi, un souverain, et qui lui dit que ce que je vais te dire, bah, si tu ne le fais pas, alors tu es voué à la protection. Si tu n'as pas de cœur, si tu n'as pas foi en Dieu, tu ne seras pas dit. Il dit, man khalafa halak. Ce que je t'ai dit ici-là, c'est de cacher ce que je t'ai donné comme information.
Il se peut, d'après quelques informations que nous avons, Chabatien lui avait donné quelques asrars. Et vous savez, les sirs là, quand tu les tiens et que tu veux que ça marche bien pour toi, il faut les cacher. Surtout ce qui concerne un asrar ou un rubia. Quand tu détiens certains secrets de réalité divine, il faut pouvoir les cacher. Et ici, Chabatien insiste là-dessus. Il dit, celui-là qui ne parvient pas à se façonner avec le conseil que je vais lui donner, alors la personne est vouée à la perdition et il dit à et il dit au souverain, je lui demande de cacher le secret que je lui ai donné. Il dit, je te le reconfirme encore, de le faire de manière absolue. C'est-à-dire ce que tu as reçu là. Même un grain dedans qui ne doit aucunement faire mention de ça aux personnes qui n'en sont pas dignes. غير استثناء فالأسرار ظهورها ظهور أحرار. Il dit, je te le dis, et sans exception. Ne dis pas qu'il y a des personnes qui pourraient profiter de cela. Ce qui démontre encore, voilà, démontre encore la grandeur de ce que j'ai envie de donner. Il dit, sans exception, il faut le cacher à tout le monde. Il dit, sache que فالأسرار ظهورها ظهور. Il dit, sache que les secrets là, leurs cœurs, c'est-à-dire sont dans le cœur comme dans le tombe, c'est-à-dire dans le tombe est considéré comme le cœur. Quand c'est rentré dans ton cœur, ce cœur va être fermé comme quand on enterre quelqu'un, on ferme la tombe sur lui. Tu vas le ouvrir pour voir les cadavres dedans. Alors donc, c'est comme ça que le secret là excède dans le cœur de l'homme de Dieu. Il dit, sache que les bons là, les secrets qui ont habité leur cœur deviennent comme les tombes. Les grands également. Il y a les bons, mais l'échelle même, pour pouvoir gravir les échelons de montée, on va trouver les grands. Et les grands sont autres que les bons. Les grands, c'est ceux-là qui, quand on va autour d'eux, automatiquement, ils nous contaminent de l'ardeur spiritualité, même s'ils ne parlent pas. Les compagnons du prophète Mohammed sur la salle m'ont demandé au prophète Mohammed en disant qu'après ta mort, avec qui doit-on rester? Il a dit, demeurez avec les personnes, quand vous les voyez, juste leur vision pour appeler à l'Asmanatara. Ceux-là, ce sont les grands. Parce que tellement le Tout-Puissant est fort dans leur être, quand tu le vois automatiquement, tu as même l'impression que tu as fait dans ce retard. Ces personnes-là, souvent, ils ne parlent pas beaucoup, pas peu. Mais même s'ils ne parlent pas, les cinq femmes d'être assis avec toi, le travail que ça fait dans ton cœur, quelqu'un d'autre qui n'a pas la même dimension va passer toute sa vie à parler, ça ne va pas changer ton cœur. On dit que le chef avocat de Jérémy, il avait un fils qui s'appelait chef Moussa. Alors, à un moment, il a eu une petite disposition. Il n'est pas sorti pour donner l'enseignement qu'il avait pu lui donner. Les gens se sont adressés à son fils pour faire des chevaux ou des tafsirs qu'il faisait. C'était un fils digne de ça. Il avait étudié et il connaissait beaucoup de choses. Le fils est venu, il s'est assis à la place du père. Il a commencé à dire, Dieu a dit, le messager a dit, Dieu a dit, le messager a dit. Le ulama ont dit tout ce qu'il peut dire, il a dit. Les gens sont là, mais les gens n'ont rien ressenti. Les gens n'ont rien ressenti. Et au moment, l'indisposition qui était chez chef avocat de l'année, il s'est dissipé, il est sorti. Et il a dit quelque chose qui apparemment semblait être quelque chose de banal. Mais le fait que ça avait dans le cœur des êtres humains là, c'est que l'autre a dit là, tout ce qu'il a dit, Dieu a dit, son messager a dit, ça n'a pas pu avoir cet effet là. Il a dit, non, allez, ma femme a préparé deux portes pour moi. Elle a oublié de fermer la marmite à laquelle était le porc là. Il y a un chat qui est venu qui a pris, qui a mangé. Ça, ce qu'il a dit là, ce que ça fait sur ce qu'ils ont compris dedans là, ça va au-delà de tout ce que toi tu peux imaginer. Ça va au-delà de tout ce que tu as réellement tenu sur le sens de ce qu'il a dit. Mais pour dire que les hommes de Dieu, souvent pour un petit mot, l'influence que cela a dans ton cœur, pour celui qui n'a pas l'onction, qui n'a pas la permission,
Il peut passer toute sa vie à parler sans que cela ne puisse changer, quoi que ce soit dans la peur. Voilà pourquoi eux tous ont demandé au préalable d'avoir l'onction, ce que nous avons fait ici. Soit nous disons, nous attaquons la main, ça a calé, je vous fais ce bruit. Donc, les gens qui ont mention, quand ils parlent, leurs paroles dépassent les oreilles, les yeux pour tomber dans le cœur et la métamorphose se produit dans le cœur de ces gens-là. Moi, c'est. قال بعض الكبار السر عندي لفي بيت له غلق ضاعت مفاتيحه والباب مقفول وليس يبطل السر الا كل ذي كرم والسر عند لعام الناس مبذول. Alors encore, il va se référer à un dire de certains grands, de certains voliers, avant de dire, afin qu'il y ait des personnes qui disent, la sœur est une vie, la vie est une vie, la vie est une vie, la le secret pour cela qui m'appelle que chez moi est dans une maison dont la clé est là, dans un confortable où la clé est perdue, pour me m'en alors que la porte est restée fermée. Voilà, c'est un tout sera une larme de vie carabine. Il dit, seules les personnes dignes parviennent à garder le secret. Voici l'eau, il est à l'île, c'est mon jour. Mais quand tu donnes le secret aux personnes vulgaires, alors il la mettra, il le mettra à portée de tout le monde. Et il avait dit qu'il avait été à ce moment-là, on va dire non, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Là, il a dit, c'est pas tellement sûr, il l'a mis à l'île dans son jour, ça lui sera quand j'en ai tiré. Il aimait chanter ça beaucoup, mais ça n'est pas ça qu'à tout le monde. On l'appelait Cheikh Al-Khatim. Pour Khatim, pour Khatim. Il est le sceau. Et il a même pas de rôle caché, tellement tout ce qu'il a dit après, il avait vu tout qu'il était tout jeune. Mais personne n'avait jamais entendu quoi que ce soit la vie entière. Il est resté tel qu'il est, se confondant à la masse, comme s'il ne savait rien de lui, il ne savait rien de ce qu'il était. Et quand il a eu la permission de parler, c'est dans ce moment-là seulement qu'il a parlé. Donc, ses disciples doivent être comme ça. Pas celui qui a fait ta prière. Il n'a rien bougé dans mon corps. Mais quand tu le vois, tu vois plier, comme si lui, c'est lui qui sait plus que tout le monde. En réalité, chaque promesse a dit que ce type de personne-là ne peut pas avoir de recommandation auprès de lui. Tu ne peux pas avoir de recommandation auprès de lui. Tu as goûté un peu de réalité. Tu n'es même pas rentré même dans l'antichambre. Tu es à la périphérie encore. Alors tu vois, quand il y a un béquet en gain, tu as un béquet de 5 qui est ici. Et certaines personnes sont comme ça. Parce qu'on a un full familial. L'âme est grande, c'est d'être pouvoir garder le signe. L'âme est grande. Il dit, au lieu de nous sommes contrôlés, nous arrivons au mot, nous pouvons, cher Maria, je vous faire le long silence des hommes de Dieu. Car ce long silence est le symbole fort de notre grande connaissance de la soirée. Toute la personne que tu vois qui crie partout, partout où tu le vois, quand tu le vois, celui qui n'est pas de la réalité, généralement celui qui n'a pas bien compris la réalité. Les grands, ils ont même peur de dévoiler la réalité. Ils disaient que quand on a sera à la vie, il n'a pas aujourd'hui, à chaque début de la page, il est tant qu'il cambia. C'est-à-dire dévoiler les secrets de la réalité divine. Il y a des gens qui n'ont pas encore atteint la dimension spirituelle. C'est plus grave au corps de Dieu que de tuer un prophète. Vous savez, tuer un homme simple, c'est très grave. Mais quand on tue un prophète, là c'est gratuit. Alors il y a un peu de temps pour nous.